gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit, gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Salut, qu'est-ce qui t'amène ici? Attends, tu devrais prendre ton bus de 17h, non? Oui, mais aucun bus scolaire est en service à cause des manifestants qui les détruisent. Pas seulement les bus, ils détruisent tout sur leur passage. Merci de m'héberger cette nuit. De rien, tu sais, les manifestants d'aujourd'hui sont très dangereux. Heureusement, demain, les manifestants seront partis et toi, tu peux rentrer chez toi tranquillement. Mais comment? Ils ont détruit tous les moyens de transport pour se déplacer. Au moins, ils n'ont pas détruit ma voiture. Hein. Enfin, pour l'instant, bien sûr. Tiens, le journal va commencer. Hein. Flash Info, aujourd'hui, les Gilets jaunes ont débarqué en France, bien sûr à Paris, qui est en train de saccager partout dans toute la ville. Comme vous pouvez voir dans nos images, ça saccage tout. Mais les forces de police essaient de les arrêter, essaient d'éviter la catastrophe. Mais les Gilets jaunes sont vraiment nombreux. Comme vous pouvez voir, on a envoyé deux envoyés spéciaux pour interviewer ces deux Gilets jaunes, ou bien sûr le... qui va nous dire pourquoi le massacre dans Paris. Hein. Et voici nos sommaires. Bien sûr, aujourd'hui, nous voyons que en ce moment, les pouvoirs d'achat sont vraiment énormes. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le pouvoir sur les achats. Mais en ce moment, les Gilets jaunes essaient de montrer à notre président que le nouveau discours qu'il nous a fait était pas... n'a pas plu à tout le monde, bien sûr. Et comme vous pouvez voir, les manifestants qui s'appellent bien sûr les Gilets jaunes en train de s'attaquer à partout sur Paris. Et on va voir sur les commentaires d'un Gilet jaune, bien sûr. Voici nos images. Quoi? Ça filme. Très bien, la prochaine fois. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct à Paris. Nous allons voir les réactions des manifestants après cette tragédie. Parfait. Bonjour madame, bonjour. Alors, pourquoi manifestez-vous? Sorry. Ah, c'est une américaine, je pense, donc elle vient de très très loin pour pouvoir manifester avec les Français. C'est vraiment incroyable. Alors, pourquoi avez-vous une veste jaune? You love my jacket. Vous aimez ma veste? Exactement, oui, je l'aime parce que vous êtes là pour manifester pour moi. J'avoue. Elle a vu? Tout le monde. Elle a vu tout le monde. Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, oui, exactement. Avec la yellow jacket. Avec la veste Paris jaune. Paris Fashion Week. Et Paris Fashion Week. Non, t'as rien compris. Alors, actuellement, il y a la révolution. Les Français. Revolution of fashion. Paris Fashion Week. Je te parle. Révolution, les gens sont énervés. Les gens sont énervés, donc ils ont une veste jaune comme vous. Alors pourquoi vous la portez? Comme Français. Comme les Français, exactement. Vous êtes là pour manifester. Paris, c'est la ville de la fashion. Ok, t'as rien compris, ok. Alors nous allons passer avec un autre manifestant. T'as rien compris? Wow, c'est dangereux dehors. Mais pourquoi ils détruisent tout sur leur passage? Ils ne peuvent pas tout simplement manifester comme tous les autres avec des drapeaux, des pancartes. Parce que c'est le pouvoir d'achat qui a augmenté en France. Les produits au marché ont augmenté, les taxes sont supprimées et le prix de l'essence est cher. Oui, bien sûr, mais bon. On va passer à la suivante. On va voir un deuxième interview pour un autre gilet jaune qui va nous dire pourquoi le massacre sur Paris. Hein. Bien sûr, voici nos images.
Alors nous venons de trouver un gilet jaune, alors madame, que revendiquez-vous? Je vais tout casser! Non mais, que faites-vous? Je vais tout casser! Pourquoi tant de violence? Je vais tout casser! C'est là que les moyens de transport sont détruits juste parce que l'essence est très chère. Ah oui, tellement qu'il y a un nouveau super-héros en France. Sérieux? Après Iron Man, Captain America, Thor, voici Gilet Jaune. Avec sa collègue bien sûr qui fait une entrée spectaculaire. Non mais sérieux, ces super-héros, ils sont de quel côté? En ce moment, notre président essaie de faire des débats, mais tous les manifestants veulent que notre président change d'avis à son discours qu'il a fait l'autre jour. Donc, pour que la France redevienne notre pouvoir d'achat habituel, il faut que les manifestants montrent leur rage devant notre président. C'est tout. Bon, je te laisse dormir sur le canapé. Tu veux une couverture, hein? Non, merci, ça va. Ok, je te laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci pour ce foutari, hein. Je me suis bien calé le ventre. Ça fait bizarre qu'il dort si tard. Là où il habite, il y a un décalage de 2 heures. C'est pas étonnant qu'il soit en retard en cours tous les matins. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il s'est bien régalé à ton repas. Il voudrait te remercier, mais il avait sommeil. De rien alors. Oh, j'espère que demain tout se calmera. J'espère que demain tout se calmera. Génial, les manifestants n'ont pas attaqué ce quartier et ma voiture est intacte. Et enfin ils sont partis. Bon, je te ramène chez toi en toute sécurité. Eh ben, il y a eu de la casse. Oui, les gilets jaunes ont tout saccagé autour d'eux pour en laisser des flânes ensuite. Tu penses qu'ils vont arrêter un jour? Oui, bon, à condition, comme je te l'ai dit, que notre président prend d'autres décisions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres vidéos les semaines à venir. N'oubliez pas de liker, partager et dites-moi en espace commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes. Ciao tout le monde!